Mettre un coup de machette là, il va y passer, il va la sentir passer. Il y a un match, man. Non, non, rien non. Du coup. Ah, vas-y, rien faire. D'accord. Vas-y, viens. Donc vous êtes à ce service. Foi même. Oh, oh, tiens. Oh, j'ai fait de merde. Vous l'avez garé où, ma coutière? D'ailleurs. D'accord, oui, c'est sûr. Hola. Ouais, Alvaro, ça va ou quoi? Je vois que tu me parles dans ton cœur, toi. Non, écoute, je voulais t'excuser, m'excuser, c'est ça, et tu vois, ouais. Anticipe. Écoute, mais attends, mais... Tu veux t'excuser? Regarde, si tu as des grosses comprenances, non, mais laisse-moi parler, mais laisse-moi non, parler. Non, parce que je sais que tu vas me sortir encore de la merde, c'est pour ça. Mais non, Alvaro, okay. Moi, je laisse-moi finir. Vas-y, t'écoute. Je voudrais m'excuser par rapport à rien du tout, je vais te baiser ta mère en brochette, voilà. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Je savais très bien que tu allais faire un truc. Dis-moi, tu tournes une radio, tu nous fais quoi? Un prank ou c'est comment, là? Un quoi? Tu nous fais un prank? Un prank? Ok. Un non, prank. Non, c'est pas un prank. Écoute, moi, juste un truc à dire, Alvaro. Dis-moi. Regarde bien avant de traverser la route et regarde bien au-dessus de ton épaule. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va arriver qui va te mettre un gros bouac dans ta tête. D'accord. Écoute, si okay. Tu veux savoir, ici, il y a une licorne, il y a une soirée qui se prépare. Si tu veux qu'on se rencontre, viens. Mais... Pourquoi tu danses là-bas maintenant? Tu non, tu sais qu'il y a beaucoup de chicas qui travaillent pour moi dedans, c'est pour ça. Donc je viens un peu vérifier un peu si les tickets ne font rien de bizarre. Vas-y, tu vois. Ok. Donc, juste prépare-toi parce que si tu viens, sache qu'en tout cas tu seras très bien accueilli. Hein. Tu sais, on est beaucoup de personnes à t'avoir dans le téléviseur. Mais tout à l'heure, vous étiez quoi, 8? Tu m'as même pas touché, t'es éclaté, wesh. Si, c'est pour ça que tu as enfilé tes yokes et tu as couru plus vite que tout le monde. Hein. Ah, tu connais les yokes? Si, t'inquiète, on est bien informés, nous, les malas. Ah oui, je vois ça. D'accord. Ok, bah vas-y, bah fais attention à toi, Alvaro, c'est ton jamais, hein. Ok. Une petite balle perdue que tu vas retrouver, là. Oh, donc tu parles de balle perdue. Donc tu m'autorises justement à te tirer en premier, tu sais, si ça va. Bah, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait quand j'étais dans l'ambulance. Il visait les pneus pour aller dans l'ambulance, pas toi. Ouais, c'est ça, les pneus, ouais, c'est ça, mon œil, ouais. Mais tu es bête ou quoi, Anas? Si, il voulait justement te tirer dessus. Tu crois qu'il aurait entendu que tu montes dans l'ambulance? Il y avait mon arme sur moi depuis les débuts. Non, t'avais oublié, je pense. Parce non, que il avait bête, pas oublié. Il avait t'es pas un peu oublié. C'est pour ça que vous êtes le gang le plus éclaté de Los Santos. Ah, c'est parce que toi, t'es bête. Tu vois, les gens, ils ont des serpents à la tête des gangs. Toi, regarde, t'es une petite couleuvre. T'es une petite vipère. T'es rien du tout. Regarde, t'as pas de venin. T'es rien du tout. D'accord. Mais moi, je vais te montrer comment s'injecte le venin sur les gens. Vas-y, et vas-y. Tu verras le pauvre, le petit Tobias qui est passé par ta faute. Bah oui. Bah c'est facile de frapper les plus faibles, c'est normal. Ah, tu sais que justement quand il exprime avec Tobias et qu'il me dit de la merde et qu'il lui demande de te transférer un message et qu'il me dit de la merde devant moi, tu sais ça m'énerve. Donc moi il te dit dorénavant, tu dis de la merde devant moi, tu subis. Tobias dit de la merde, il subit. Ahmed dit de la merde, il subit. À cause de toi, j'ai coupé le nez de prince. Tu m'as fait passer pour une pute devant nez de prince. La machette, wesh! Est-ce qu'il t'a demandé de lui couper le nez? Écoute, tu m'as dit, tu le plantes. Donc moi, voilà, j'ai coupé le nez. Bref, c'est à cause de toi. D'accord. Tu m'as humilié. Tu m'as pris pour une pite. Ah, mais en même temps, comment tu vas habiller ta couleur, bien sûr. Maintenant, tu me tires dessus, tu me cours après comme si t'étais une ex. Mais toi, t'es malade ou quoi? Tu sais qui je suis, moi? Je suis un influenceur, mon pote. D'accord. Ben regarde comment on va. Je vais bientôt t'influencer, je vais t'attraper. Et un dernier truc à te dire. La même recette. Tu connais les certaines phrases qu'on dit avant de couper? Très bien, monsieur. Bonne soirée. Tu veux me trouver? Non. Ça va, ça va. On est d'accord. À l'unicorne, on a dit. T'es à l'unicorne. Si. La bouche pas, j'arrive. Si tu veux faire tout ce que tu m'as dit, évite de lancer ton écran. Ça serait bien. Mais pas que la tenue en jogging, c'est bien. C'est pas très. Comme dans les films. Bah oui, je sais, Tonio, mais ça va être comme ça. Mais c'est juste parce que. En fait, si c'est un streamer que je connais pas, je m'en battrais les couilles, mais c'est un S. Et c'est parce qu'on s'aime bien, tu vois ce que je veux dire? Désolé, monsieur, mais vous allez pas te si, je pense que c'est 27. T'es pas sans. Bonsoir, monsieur, plaisantez, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous avez rien de dangereux sur vous? Pourquoi il y aurait quelque chose de dangereux? Je vais chercher moi. Il y avait une soirée, je viens me gaspiller ma plate. Cherchez moi. C'est vraiment bête, hein. Oh, les Romains, ils m'ont même pas fouillé, il m'a demandé t'as quelque chose dans les yeux, il dit non, il m'a dit ok. Ma fille ? Elle est là-bas, je crois. Elle est là-bas. Toi, t'as qu'à l'identité ou pas ? T'en as marre de la vie, quoi. Ouais, t'as vu, je sais, ça me va trop bien. Bon, bah vas-y, mets un pantalon, je savais, il y a un magasin en face. Fais attention quand même, le familier. Y'a des putains ! Vous y êtes ?
c'est bon, j'ai pas eu le temps. Je vais me casser, c'est de la merde, ça, ce genre. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des chicas partout, mais bon, parce que Paola est là, c'est pour ça que c'est de la merde. Oh, profite un peu, hermano, regarde, en plus là-bas, il y a une chica, elle a ses seins à l'air, si tu veux. Ah, c'est bien, on part deux secondes, on rigole et puis on se taille. Ouais, je me taille. Premier shoot, tiens. Et il n'y a pas que du RP gang, il y a du RP interaction. Wesh, il y a des blazes. C'est quoi ça ici? C'est à moi. Ah monsieur, c'est pas. C'est pas, voilà. S'il vous plaît, vous pouvez sortir, ça serait pas. Ah, il faut sortir. Ah, on sort de notre propre. Je vais Et vous touchez avec les yeux, s'il vous plaît. Vous touchez avec les yeux, bien évidemment. Touchez avec les yeux. La préfet, mets une cagoule, par pitié, enlève la plaie. Ça, vous désiriez quelque chose? Non, pour le moment, juste ce qu'il me faut. Vous désiriez quelque chose, monsieur? Il manque un peu de. Voilà. C'est quoi, c'est un peu pâle. La scotch. Scotch. C'est qui? Aïe! Pardon. Arrêtez. Pas fait exprès. Monsieur, suivez-moi. Téléphone. Suivez-moi. Si, il est pas fait exprès. Calmez-vous, la prochaine fois vous sortez. Mais c'est très calme, tu sais. Il est fou, quoi. Il a pas besoin. Oh, Hermano, pardon, il est pas fait exprès. Il y a des problèmes au téléphone, tu connais. Regarde comment elle veut de moi, celle-là, regarde. Oh, tu veux t'asseoir à côté de moi ou c'est comment? Ouais. Je veux des pesos, Oh bah là, attends, elle veut vraiment des pesos. Fefe, est-ce que je peux donner un peu de pesos? Si, donne-lui. Ok. Allez, vas-y. J'ai une ramène qui peut réussir. Quoi? Tu vas tuer Anas? Non, je vais pas le tuer. On va faire des scènes, on va rigoler ensemble, mais je vais pas la tuer. Je vais pas le tuer. Mais laisse la plata. Tiens, plein, arrêtez de prendre l'argent, allez, de prendre le plateau. Ouf. Danse avec elle, Kali. Bon, allez, Hermano, venez, on va à la table à côté, le plus grande. Ok, venez. Y'a pas de putain. Ah, mais y'a pas de danseuse, ce réfé, c'est trop bien. Bah, ramène-nous une danseuse, justement. Bon, allez, vas-y, c'est bon, c'est pour moi. Ramène-nous ta cousine, là, qui danse vraiment bien. Eh ouais, quoi, tu vas pas. Vas-y, rentre. Attends, t'es sérieux quoi? Mais vas-y, réfé, je vais rentrer. En fait, tu sais, il est jaloux, c'est pour ça. Il aime pas quand il y a un meilleur danseur que lui. C'est bon. Oh, t'aurais été une chica, je t'aurais dit d'accord, mais qu'est-ce que tu nous fais, Nesto là? Et gâteau? Ton vieux cul. Si tu veux faire une danse, fais-le devant nous. Non, mais gâteau, il est en train de se frotter. C'est pas pour lui que tu danses. Tu danses pour qui là? Gâteau, je danse avec la dame. Attendez, je vais aller voir là-bas ce qu'elle fait. Elle fait des trucs. Claque le cul. Après, t'as lui claqué le cul. Tu penses que toi, t'es chance, gâteau? Lâche-moi la bite, bande de chien. Oui, c'est bien, c'est pas bizarre. C'est bizarre. Ils sont bizarres. Hein. Bande de chien. Ah. Limite, tu aurais dit bande de chien, il aurait compris, toi. Putain, il est skin. Je sais même pas ce que je fais ici. Bon, moi je vous dis juste, moi, tu sais que moi mon champ de vision c'est la table devant, je ne sais même pas regarder les chicas, il y a trop de. Il y a peu de vêtements plutôt. Oh, ouais, tout à l'heure j'avais pas compris la scène, maintenant j'ai compris. Tranquille, Liking Off. Attends, je vais jeter un coup d'œil. Je vais. Oh le. Sa mère, je suis pas rancunier donc tranquille. Sur le moment même, juste que ça me. Honnêtement, ça me fait chier que les gens ne comprennent toujours pas en 2021 que ça reste un jeu, qu'on rigole et que le but justement que si on se met pas des bâtons dans les roues, tout le monde s'ennuie, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y en a, tu sais, qui fait exprès de me chercher, tu vois. Bon, après, je dis tout de suite que. Karen Chou, tu t'es à côté de moi, j'arrive. C'est bon quoi les Hermano? Comment ça les Hermano? T'es qui toi? T'es qui clairement? Comment ça, Suki? T'es qui? Karen Chou, là. Tu sais que les Hermano, ce sont mes Hermano del Burro. Vous désiriez quelque chose? C'est une bouteille de champagne. Ouais, moi, plus de champagne, nous avons du vin, du sprite, de la limonade. Du coca. Oh, de l'alcool, on veut de l'alcool, seigneur. De l'alcool, ok, d'accord. Attends, bon, les Hermano, allez, prenez, c'est la tournée de Nesto là ce soir. Quoi? Non mais... Il y a des poutins. Ouais, ça va tourner. Ouais, il y a du coca alcoolisé. Il y a des poutins. Coca alcoolisé, d'accord, monsieur. Ensuite, il y a du vin. Ah, il y a pas de vin, mais il y a... Tu vois du whisky? Non, c'est toi, t'as des poutins. Tu te mettras pas. Nous sommes dévalisés de whisky, monsieur. En fait, tu vois quoi comme alcool à part du vin? Oula, il y a des chicas là-bas. Compliqué ce qu'il a dit un peu. Il y a des bonnes chiennes.
Ouais. Boris, c'est sa mère, ouais. Du Sprite, de la limonade, du vin. Donc moi, il te demande de l'alcool, tu me parles de Sprite, limonade. Qu'est-ce que tu comprends pas? Il t'a demandé, écoute-moi bien ce qu'il va te dire. De la bière. Toi, de la bière? Non, pas de bière. Bah en fait, vous avez rien du tout à part du vin, comme alcoolisé. Monsieur, premier arrivé, premier servi. Hein. D'accord, bah écoute. Réfi, tu veux un truc de whisky? Qui veut du... Qui veut du vin ici, là? Qu'est-ce qu'il fait avec du vin? Vas-y, ramène des limonades, là, il ne boit pas de vin, dégueulasse. Bon, allez, Hermano. Hermano, vous voulez des limonades? Mais t'es qui, toi? Mais dégage, mon gars. Bon, allez, Hermano, il dépose mon verre, d'accord? Ne le prenez pas. Ok. Ah, personne touche à mon moment whisky. La chica, elle a pas la fin de soutien. Hermano, fais un truc. Tu fais quoi, toi? La vie. Tu vas le poser, mon gars. Ah merde, vous pas. Dépêche-toi, là, dépêche-toi. Je crois que c'était pas merde, dès que je vais vers, elle est sur le pied. Ouais, bien sûr. Sors la table. Voilà, voilà, moi. Vas-y, Lobo, pose-le. Fuego, nous, Fuego. Mais c'était. Oh merde. Regarde. Oh, suerte. Paola va pas être contente si tu fais ça. Je m'en bats les couilles de Paola. Ah, menteur. Qui m'a appelé? Vas-y, pas pour les gammes. Mais c'est quelque chose qui m'a appelé. Oui, gracias. Voilà, fais un petit selfie avec moi. Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, comment on fait pour la voir? Surveille bien nos côtiers dehors parking. Faut que tu vois le. Surveille nos côtiers de parking, il faut bien une personne dehors, non? Et vu que tu veux pas rentrer, ça sert à quelque chose. Ouais, je peux t'aider, Signora. Oui, Barodonville, surveille le parking aussi. Ok, ok, vas-y. Préfet. Dibé. Dis-moi, j'ai un plan sous pour. Vous avez quelque chose, messieurs? Viens, avec moi. Touche avec lui. Quoi? Tu veux me parler? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Tu me payes une pile dans ce privé ou pas? Ok. Tranquillou. Paola, tu peux venir, par favor? Rien, c'est un peu vif. Ah, c'est toi, c'est hard, hein. Là-bas, c'est. Oh, je suis incroyable. C'est caliente. Ouais. C'est caliente. Bon, Paola, bah, toi, bien, comment c'est? Monte sur la table, Paola. Moi, je me permets, hein, je me permets. Hein? Écoute, Suerte, il a insisté, il m'a dit, il veut te voir danser, Suerte. Quelque chose d'autre, messieurs, madame? Moi, je sais pas danser. Pourquoi il y a poil déjà? Qu'est-ce que tu fais, Suerte? Je crois encore. Bah, j'ai fait une petite danse privée, tu m'as dit, non? Oui, mais est-ce que même une danse privée avec les vêtements d'essai, réhabille-toi là, tu vois. On fait passer pour des terraqués là. Il est bizarre lui. Après, j'ai pas l'habitude. Par message, il te dit que tu es belle et maintenant devant toi il se met à poil. Bravo. C'est moi qui danse. T'as vu comment je m'envoie des petits messages, oh, Suerte. Oh, vous savez quoi, tenez. Tu veux jouer à quoi, Suerte, s'il te plaît, viens, Suerte, tu montes trop. Je pense pas que c'est ce qu'il y avait. Ah bon? Fais-moi une petite danse là. Alors là, mon gars. Vas-y, assieds-toi à côté de moi, Paola. Attends, monsieur, pardon, oula. Où est-elle, Manu, installez-vous. Elle est partie au gâteau. Ah, ben elle est là. C'est bon, tu vas pêcher la chica à côté ou pas? Mhm. Ok. Vas-y, tu as une photo? Attends, regarde. T'as rien à boire, Réfé? Non, il est pas là. Tu as dit quoi? Tu veux rien à boire, Réfé? Si, j'ai pris mon whisky. Mon whisky. Ah, okay. Tu mets de la musique ou pas? Vas-y, mets une petite musique pas trop forte, d'accord? Juste pour nous, entre nous. Est-ce qu'on a deux perceuses et une carte fléquin? Si, pourquoi? Deux cartes fléquin, pardon. Si, pourquoi? Attends, mais pause. Tu as dit quoi, répète? Il y a une personne qui aimerait en acheter. Où ça? Moi, je vois une dose privée. Attends. Boris. Une dose privée ici, quoi? Boris. Oh, tu sais quoi, ramène-le à notre table. Dis-lui, il vient s'asseoir. Ouais, mais on va pas parler de ça devant tout le monde, tu sais. Bah, justement, c'est notre table privée, on va discuter tranquille. Allez, on arrive, mais ok. Vas-y, mets-nous la musique, mais pas trop fort, Lobo. Baisse un tout petit peu, si tu peux, Lobo. Ah, bah, attendez, alors. Dis-moi, Nesto, laisse une place à côté de moi. Vous désiriez des cigarettes, messieurs? Non, oui, non, je veux bien, moi, il y a déjà. Boissons de champagne, cigarettes, on a déjà pris les boissons, c'est bon. C'est bon pour vous, pas plus. Merci, ouais. Ouais, peut-être plus tard. Nickel, bah c'est bon, monsieur. Profite bien, passez une bonne soirée. Grâce à ça. Vous avez votre paquet? Non. Alors, bien, c'est mieux, là. Qui c'est votre collègue? Si. Hermano, tu peux passer comme l'on. Par contre, la musique, non, le bonheur, tu joues. Oh, tranquille, mais la musique, c'est pour la table ici. Hermano, fais voir le paquet de classe. Vas-y. Tu joues le guapo, mais après t'es pas le dé. Ma fille, elle tout le seul. Attends, tu vas me dire, c'est lui en rose qui veut les cartes? Non, oh, dis-lui, viens s'asseoir à côté de moi, là, le temps en rose. Oh, c'est une fierté. Toi, tu veux quoi?
En fait, je voudrais faire quelques travaux, t'as vu? Si. Là, il me faut une petite perceuse là, une méchante perceuse. D'accord. Pour percer. D'accord. Et ouais, deux cartes de préca aussi. D'accord. Bon, ok. Toi, bon, numéro? Ouais, ouais, numéro, ouais. Ok. Toucan, prends son numéro. Le mec à ma gauche. Ah, il vient tout devant moi, c'est un fou. Bon, isole-toi et va voir mon Herman avec son sac à double, d'accord? On te contacte plus tard dans la soirée. Pourquoi 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et continue voir si t'es un vrai salvadorien. Ouais, tout pareil. Voilà. En tout cas, vous saurez où me trouver, monsieur. Voilà, voilà. Il est ici, l'enfant. Eh, t'as pas le compte, j'ai fait un truc aussi, moi j'ai plein de photos là-dessus. Alors, c'est toi? Déjà fait, j'ai déjà fait. Ça va ou quoi? Bah, tu veux pas faire une petite danse pour moi? Il est malade, lui. De la place en vrai, hein. Regarde, sur le podium là-bas. Y'a bonne soirée. Putain, me regarder comme ça. Tu veux pas? C'est ta femme? C'est qui lui? C'est ta femme, Alvaro? Ah, mais dis-moi si c'est ta femme! Oui, y'a pas de soucis, hein! Attends! Mets une casquette, seigneur. C'est pas là. Ah, c'est pour ça que tu rigoles! Non, c'est pas pour ça que t'es mort de rire! Ah ouais, c'est grave, mais ça cause des projecteurs! C'est pour ça! Non, c'est pas pour ça! Oh, mets ta cagoule, tu verras! Ah, putain de merde! Et vraiment, sur la tête de ma madre, les youtubeurs, ils savaient pas du tout que vous étiez comme ça! Est-ce que quelqu'un aurait fait un appel à l'SPD? Non, c'est pas nous! D'accord, merci. Passez une bonne soirée, au revoir. Au revoir, bon courage. Ah, putain de merde. Bon, c'est une soirée de quoi ici, Varou? Attends, parce que là vraiment... il est vraiment malade. En fait, je pense que l'Hermano, il se rend pas compte. Mais de quoi? Tu me rends compte que quoi? Tu m'as dit, viens ici, il y a ma mère qui travaille, il y a mes soeurs qui travaillent, je vais aller les surveiller. Je suis bien, wesh. C'est quoi le souci? C'est grave. Je sais pas qui t'a fait, vas-y, mais c'est Alvaro aussi. Il m'a coursé avec sa batte de baseball, mais il a essayé de me tirer dessus. Viens, on va parler dehors. Oh merde, j'ai pas vu. Mais pourquoi à chaque fois vous voulez parler dehors? Vous êtes comme ça. Ou quoi? Mais non, mais comme ça. Mais tranquille, on va parler dehors si vous voulez. Vas-y, voilà. Mais tu sais très bien que si on va dehors, on va te briser les genoux, on va te les couper même. Mais non, pas du tout, on va parler. Mais comment ça? Tu sais... Oh là 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 là. Et tu vas faire quoi, c'est parce qu'il y a trop de bruit, seigneur, c'est pour ça qu'il veut parler. Ok, madame, incroyable. Ok, toi, t'as rappelé ce qu'il était dit? On se donne une position. Quelle position tu es là? Pour quelle position? Autant régler ça maintenant. C'est ton gars, il me dit on sort dehors, on sort dehors. Non. Ok, viens avec moi, viens. Vas-y. Tiens, mangez pour le faveur. Mets-toi contre les murs. Ouais, t'arrêtes avec tes murs là. Écoute, faut bien qu'un de nous soit contre les murs. Donc il préfère que ce soit toi. Mais vas-y, viens, on parle face à face comme des molos, vas-y. Ok. À égalité. Il t'arrête par le col là. Écoute-moi bien, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire là maintenant? Je sais, mais oh, puto! Je suis un marabunta, je suis le chef, toi. Donc moi, si quelque chose me dérange, il envoie des personnes et il m'en débarrasse, ok? Donc quand un puto de youtubeur, influenceur ou mes cojones ou je sais pas quoi, il fait le malin avec moi, il le débarrasse et il le donne au chien. Il le découpe en plusieurs morceaux. Oui, je sais, donc, j'ai compris. Donc, écoute, je pense vraiment, hein, vraiment que tu as un problème dans la tête parce que si tu es le premier, être fou comme ça, toi. Okay. À me parler comme ça. Tu sais que d'habitude, c'était respecté. Donc, attends, avant qu'il termine. Non, parce que tout à l'heure, il t'a laissé parler, tu m'as manqué de respect. Non. Je prends ta main, parce que là, elle est sur le col. Si. Je prends ta main et je la mords. Voilà, tu me laisses tranquille, wesh. Mais... ça va pas ou quoi? Attends, tu viens de me mordre ou il rêve là? Oui, je te mords. Mais pourquoi tu me tiens? Ça me rappelle mon daron. Comme ça, wesh.
Mon daron, il avait la classe. Okay. Il a rien à voir. Ok, avec tu toi. M'en voudras pas si il te découpe un petit morceau. Là, maintenant, tout de suite, ça me dérange un peu. Pourquoi? Bah, parce que regarde, il y a ta maman qui danse, il y a ta tante, il y a tes cousines, il y a ta soeur, et derrière, il y a ta femme. On fait pas ça en famille, wesh. Ok. Business, c'est le business, la famille, c'est la famille. Ok, ok, d'accord. Tu vois pas la chica qui est derrière toi là? Hein? La chica là qui est derrière toi qui est en train de monter la barre. Ouais, il y en a beaucoup. Toi, en penses quoi? Il y en a beaucoup, hein. Allez, ferme ta gueule maintenant. Tranquille. Il s'est évanoui. Il s'est évanoui, il va l'emmener dehors. C'est vous qui vous battez là? Non, il s'est évanoui, il est tombé. Il va prendre l'air, lâche-moi. Vous allez sortir. Vous allez sortir. Il m'a frappé, cet enfoiré, lâche-moi. Mais lâchez-le, monsieur, déjà, lâchez-le. Lâche-moi, je te mords les fesses. Lâchez-le, monsieur. Et vous allez sortir, ok? Ok, on va sortir. Allez, viens, on va sortir. Voilà, il rend fou. Mais les gars, vous allez dire que je suis méchant, que nanana, mais regardez, il fait tout pour que je tue. Il fait tout. Rentrez quoi? Clone, elle est sur le type de pas mal, ça. Je rentre, c'est bon? Bon. Ouais, tranquille, tranquille. Alors. Bon, tu vas pas courir encore cette fois-ci, non? La bagarre là. T'as dit quoi? Tu vas pas courir cette fois-ci là. J'ai pas entendu. Viens, 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 viens. Bonjour. Mais il met de la musique alors. Salam alaikum. Bah, je peux pas aussi. Ok. Merci, merci. Ouais. Et ils vont tout droit. Ils vont tout droit. Quoi, bon. C'est... Ah. Tu sais qu'il m'en bat les couronnes, est-ce qu'il est dépoyé ou pas dépoyé, tu vois? T'as dit quoi, Alvaro? Il m'en bat les couronnes, est-ce qu'il est dépoyé ou pas? Ouais, très bien, vous. Ouais, je sais. Et t'as 2 secondes, quoi, et juste, ouais. Demande à ton Herman derrière qui parle moins fort parce que. Quel Herman? Mets une petite casquette, un petit. Quel Herman? Celui-là qui a le bonnet noir. Dis-moi, Tobias. Le bonnet noir. Tu parles de Hamid? Attends, je vais lui parler. Hamid, viens, viens, dis-moi. Oui. Mais sa mère, vous êtes tous. Il vient dire devant moi, tu veux la position, Audi? Non. Je suis pas le moi. Bon. Non, pas toi. Todos. Todos parking. Parking. Comment ça s'appelle ici? Unicorn. Todos. Gardez vos armes prêtes, d'accord? Non. Ouais, désolé. C'est bon, je lui ai parlé. C'est bon. Donc, il dira bon. Que la prochaine fois, s'il veut être discret, c'est raté, d'accord? Mais discret par rapport à quoi? Yeah. Est-ce que il doit passer par 4 chemins ou pas? Voilà, Pantera. Bah non, mais vas-y, je t'écoute. Ok. Bon, tu te découpes quand maintenant, non? Ou tu veux qu'il fasse ça plus tard? Mais pourquoi tu veux me découper en fait? Je comprends pas. En réalité, les hermanos, vous savez quoi? Il veut même pas me salir les mains. Faites-le passer un tabac et c'est bon, il comprendra, d'accord? Non, mais. Wesh, go, Tobias, il a dit go, venez, le Tobias. Oh là là, pourquoi il a sorti normalement? Courez. Il y a tout le. C'est l'agent? Tu fais quoi toi? Eh, casse-toi maintenant toi. Eh, c'est Superman là, casse-toi, avance. Allez, va de l'autre côté, je suis pas toi. Voilà, Alvaro, lève les mains. Bon, attends, 2 secondes, recule un peu. Recule. Quoi, tu voulais me découper, c'est ça? Ah, tu es qui toi, en rose? Moi, je suis en sécurité. Sécurité. Tu crois que c'est avec ton taser que tu vas repousser des gens? En tout cas, repousser les gens armés. Ouais, ben c'est pas avec un taser que tu vas repousser des gens armés, hein. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Oh, merde, attends. C'est toi que ton gilet, tu es qui? Mais monsieur, merde. Vous comblez la soirée. Mets un truc sur ton visage, t'es vraiment pâle, c'est horrible. Mais ouais, mais tout le monde est trop pâle. D'accord, ok, d'accord. C'est mieux là ou pas? S'il vous plaît, messieurs, dames, s'il vous plaît, battez-vous. Non, mais c'est pas grave. Non, tranquillo, pas de bagarre. Si, on est là pour profiter, les hermanos, vous inquiétez pas. Allez, les gars, Bon, bref. Bon, allez, les hermanos, on se casse, d'accord? Pas de problème, par favor. Toi deux, on se casse, on prend nos côtiers, on bouge. Ça sert à rien de se battre, les gars. Mais c'était flagrant, il a dit 4 fois. Ouais, Audi, ils arrivent, vite, venez, frère, ça se voit trop qu'ils vont nous tendre un piège. Après, je m'en bats les couilles qu'on nous tende un piège, juste. On a pas d'armes, tu vois. Bon, les Allemands, on se casse, d'accord? Ok, pas de soucis, merci. Je ne sais pas. Bon, allez, vos côtiers, on retourne. Faire ce qu'on avait à faire. Ouais, on aurait pas dû le crier. Je sais pas, tiens, tu veux le mettre. Vas-y. Ouvre. C'est bizarre, hein. C'est qui a la troisième Buffalo? Je sais pas, mais. C'est bon, les gars. Allez, Herman, on y va. Ça s'est arrangé, papy, ça va? Mais frère, il a dit, il a une arme. Tu sais que j'allais rafale le gars?
J'aime pas moi les. Enfin après bon, je... il a un taser, il aurait un pistolet, j'aurais dit oui, mais un taser frérot, tu vas pas arrêter quelqu'un qui a un Beretta alors qu'il a un taser, t'as vu? Bon, Tadas, vous êtes barré là ou pas? Si. Bon, comme tout à l'heure, on va regarder si. Pendant que nous, justement, on profite un peu de la soirée, s'il n'y a pas des gens qui profitent de notre dos. Les graines, si. Oh, comme d'habitude. War Dogs, Playa, Mirror Park. Fertilisant et graines, nous serons fertilisants là, donc pas besoin de plus de monde. Tu sais que le mec en rose là, avec son staser, il était à deux doigts de tirer vider mon service lui. Oui. Et puis la main de mon RP. D'accord. Ok, Misty New. Ah, Misty New. Juste, je vais dire un truc. Attends, regarde. Parce que je suis admin chez certaines personnes. Donc si je vais sur une certaine chaîne, tu vois, regarde, comme Anas Off. Tu vois? Oh, c'est bizarre, je suis admin chez lui, je peux faire ce que je veux. Parce que c'est Anas, il a confiance en moi. Et puis je tape. Missigno, pardon, Missigno. Oh, mais c'est bizarre! Missigno, je t'ai trouvé sur la chaîne d'Anas. Oh, 97 messages. En tout cas, Riffé, il n'y avait ni. Bah non, tu dis des bonnes choses. Rip Tobias, t'as peur ton fils. Oh, c'est bizarre! Tu sais que je peux mettre un ban maintenant si je veux. Quand tu fais le malin comme ça avec moi. Viens là-bas, hier. Hein? Non, je vais pas le faire, les gars, je vais pas le faire. Donc la prochaine fois, avant d'ouvrir ta gueule comme ça, renseigne-toi un minimum, tu vois ce que je veux dire? Non, hé, Voxir, pourquoi tu dis des trucs comme ça, wesh? Non, je l'ai pas mis. Moi, j'aime pas ton RP, c'est tout. D'accord, donc t'aimes pas mon RP, mais tu dois venir dire et puis la merde. Dis, je suis pas fan de ton RP, c'est tout. T'aimes pas mon RP, frère, viens pas. Si, dis-moi. Tu vois, c'est ça ton problème, elle va roter une pute. Tu vois, tu me tapes quand j'ai le dos tourné. Toujours, tu me tabasses quand je suis à 14 contre 1. Pourquoi est-ce que tu t'acceptes pas un tête-à-tête, tu m'envoies une adresse et je te tabasse en fait? Je comprends pas. Pourquoi t'es obligé de faire le coq comme ça devant la police et tout? Pourquoi t'es bête comme ça? D'accord. Dis-moi, tu as engagé qui pour nous faire tout ça là? Comment ça nous faire tout ça? Tu m'as tabassé, quel que ça? Parce que quand même mes hermanos viennent chez moi me dire ouais, il est en train de faire passer et que l'autre, ton hermano Tobias, juste collé à nous et nous dit venez vite, c'est pas en couille, venez vite, c'est le moment. Bah oui, il parle à la police, normal. Ah, bien sûr, les poyos. Bah ouais, la police. Donc les poyos, il parle à la radio en fait. C'est quoi, c'est un indique ton Tobias? Mais à quel moment il a parlé en radio? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, pose-lui des bonnes questions. Mais à quel moment il parle en radio? Bah, demande-lui, dans le parking. Au moment, c'est parti en cojones. Il parle pas en radio. Oui, donc tu vas me faire passer pour quelqu'un de vous. Non, quelqu'un de menteur et de lâche et de fourbe. Ça oui. Mais fou, non. Je sais que tu es fort en provocation. Bah, tu sais quoi, il veut quand même venir pour te faire plaisir. Parce qu'il sait très bien que tu vas absolument me voir. Mais bon, moi, il va juste te dire un dernier truc. C'est soi-disant, tu vas avec des grosses cojones. On va voir si tu vas venir ou si tu vas engager des gens. D'accord? Mais écoute, Alvaro, tu viens, tu me tabasses à chaque fois à 20 contre 1. Mais le problème, c'est que même quand il te tabasse, tu comprends pas la leçon. T'as pas de couilles. Ça, ton problème. D'accord. Tu me tapes dans l'unicorne quand j'ai le dos tourné. Parce que j'ai eu le. Voilà, c'est vrai que ta mère, je la trouve bonne. La vérité, je la trouve bonne. Je l'ai regardée, c'est vrai, la vérité. Mais tu m'as tapé pour ça. Ensuite, tu m'envoies à chaque fois à l'extérieur. 14 contre 1. T'as même pas osé me taper en face. T'as dit à tes petits de me taper. Ouais, c'est quoi ça? Parce qu'il était dit qu'il voulait pas me salir les mains. C'est grave. Ok. Ok, bah tu sais quoi, regarde, tu fais te plaisir, envoie-moi toi à l'imposition. Ok, ça marche. Vas-y. Ok. Vas-y. Bon allez, hermano, il tient absolument à nous voir, d'accord? Qui ça? Le mec en rose, il m'a dit qu'il va nous donner une position. Écoutez, comme on a bien vu, l'autre là, il a la radio, il a crié à côté de nous, venez vite, c'est le moment, le Tobias. Bref, il dit pas qu'il soit disant, c'est sûr qu'il y a des personnes, mais bon, on s'en bat les cojones. Justement, on va leur montrer qu'on n'a pas peur. Il ramène qui il veut, on s'en bat les cojones, d'accord? Bien sûr, c'est un guet-apens, c'est sûr. Si, mais on s'en bat les cojones, des guet-apens, on va quand même les voir. Il y a des balas qui me suivent. Pourquoi? Aucune idée, je suis passé à côté d'eux et ils sont en train de me suivre. Ils sont où là? Ok, on arrive, on est à côté. Essaye de tourner à côté de Weasel News. Venez, toi, c'est Weasel News. Si, il les voit. Hola, hola! Pourquoi vous suivez mon hermano, hein? Là qui voilà! Hein? Pourquoi? Attends, tranquille, on peut discuter, non? Ouais, on peut discuter! Si! On va discuter, juste attends, il appelle mes hermano et on discute, d'accord? Ouais. Bon, ils sont sur nous, d'accord? Venez devant l'épicerie, il était à Séoul. Todos. Ils sont pas bons pour nous. Ok, voilà, on gagne du temps, nos problèmes. Eh, je veux pas que tu te bloques ou quoi que ce soit, d'accord? On se rejoint où, Riffin? On n'a pas entendu la radio.
on va arriver là, on est vers le magasin de vêtements. Mais tu t'arrêtes, Toucan, s'il te bloque, tu subis ce soir. Ok, ok, tu fais confiance. Là, je perds du temps comme d'habitude. Ok, tout le temps, je fais ça. On arrive. On a. Attends, il regarde le rétroviseur. Ils ont 3 coutiers remplis et on a Manchez. Bon, ça arrive tout. Laisse-moi réfléchir. Réfé, ils sont proches. Tranquillo, ils sont en train d'envoyer des positions, d'accord? Non, ah, ouais, vas-y. Bah, tu sais ce que tu fais? Va. On va faire comme si t'envoyais pas de report. Mais il était pas dit justement que. Bien sûr qu'il va envoyer des hermanos. Ramenez-vous vite, on est vers la plage, là, vers le magasin de masques. Ok, on arrive. Venez, Playa, magasin de masques. Ok, claro. Ouais, mais frère, est-ce que tu vas jouer, voir le joueur de foot, tu dis devant lui, et tu pues la merde. Des années dans une embuscade ou pas? Non, pas besoin, on va juste discuter. Mais il avait dit directement, on descend. Le coiffeur de la venez devant le magasin de masques, Todos devant le magasin de masques. Comme ça c'est précis, tout le monde sait où on est. Si. Bon, rendez-vous devant le magasin de masques, les hermanos. Alors la croix-lue. Oh là, stop, non, arrête-toi. Arrête-toi. Arrête-toi, pourquoi tu continues comme ça? Ah, allez, on descend. Ils sont beaucoup trop nombreux. Tranquillo. Tranquille. Ils nous braquent tous, hein. Bon, les hermanos, baissez les armes. Ils ont pas. Tranquillo, ils ont pas sorti les armes. Calma. Bon, venez, les hermanos, on va se mélanger. Bon. Bon. Eh ben voilà. Voilà. Bon, attends. Donc, si je comprends bien. Ouais. Tu as appelé les balas? Non, j'ai appelé personne, non. Ils étaient là par hasard. Ok, pourquoi tu es là, OG Balas? Parce qu'il n'aime pas le bleu, c'est tout. Désolé. Il a l'allergie au bleu, non. Arrive. Hein. J'ai posé une question au OG. Est-ce que tu peux les laisser répondre? Moi, j'aime le pognon et j'aime pas le bleu. D'accord, il t'a payé combien? Ça, je dirais pas, secret professionnel. C'est confidentiel. Ça, c'est confidentiel. Confidentiel, pas de problème. Bon, qu'est-ce que tu fais ici maintenant devant? Tu as besoin de protection? Est-ce que je vois. Tu vois quelqu'un qui ouvre sa gueule, qui parle beaucoup, mais bon, une fois qu'il faut agir. Attends, on remet le contexte. C'est qui me tabasse à chaque fois à 15 contre 1 Viens, on sort dehors. C'est qui me tape quand j'ai le dos tourné? C'est toi? Il veut dire qu'il s'est posé une question. Audi Balas. Ouais. Quand tu as des personnes comme ça dans la ville qui viennent te manquer de respect sans aucune raison et qui ouvrent leur gueule comme ça, tu fais quoi toi en temps normal? Est-ce que tu t'en occupes ou tu les laisses te manquer de respect? Mais le respect, c'est quelque chose de. Ah, il posait une question au OG. À quel moment je vais te respecter? Écoute, si tu me respectes pas? Il était respecté quand tu es venu au barrio, tu m'as demandé des services et il t'a donné des services. Donc, si maintenant. La première interaction que j'ai eue avec toi, c'était avec tes petits que j'ai tabassé parce que vous êtes des merdes. Après, on m'a retrouvé et c'est parti de là. Il n'y a jamais eu d'interaction, de respect réciproque. Pas du tout. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que toi, tu as allumé, on va dire, la mèche et c'est nous qui sommes en tort. Si, toi, allumé la mèche, parce que tu as bien dit que tu t'en es pris à des. J'étais tranquillement dans ma voiture et on me dit circule. Je dis pourquoi? Bah parce que c'est mon quartier. D'accord. Ok. D'accord. Bon bref, c'est quoi le. Donc on m'explique là? Ok. Non, parce que du quoi? Non, parce qu'apparemment tu voulais me découper et je sais pas quoi. Donc bah vas-y. D'accord. Viens, on va découper, viens. Vas-y. Mets-toi contre les murs. Tu vois, à chaque fois c'est pareil. Mets-toi contre les murs, passe-moi une machette. Moi je innove un peu. Bon, les balas, par favor, reculez un peu parce qu'il veut lui mettre un coup de machette là. Il pense qu'il va le sentir passer. Tu vas bien y mettre, man. Non. D'accord. Donc vous êtes à ce service. Foiré, va. Oh, tiens. Oh, j'ai fait de merde là. Oula, non, c'est pas normal. Calmez-vous. Il m'a fait un coup. On va pas se tirer dessus, calmez-vous. Mais wesh, il veut que je le tue ou quoi? Il est malade ou quoi? Il peut pas, wesh. Tout le monde baisse ses armes. On va baisser nos armes à 3. Reculez maintenant, c'est bon. Je prends le mien, ok? J'ai même pas vu son couteau. Voilà. Tranquille, voilà. Et tu vois, c'est juste au-dessus de. Du pont des Poyos. Je pense Allô que tu as le syndrome de Stockholm, toi. Allo, Alvaro? Si. Ça roule? Hermano, petite séance de sport, ça vous dit? Si. Alors comme ça, on fait la guerre en chaise roulante maintenant? Ça va être quoi la prochaine fois en rampant? La prochaine fois, tu vas pouvoir attraper des lianes comme Tarzan, tu vas voir, je vais t'attraper. Ouais, t'inquiète pas. Hey, laisse-moi le temps de m'équiper, de prendre des gilets, des calages, des lance-roquettes et je vais te fumer toi et ton gang de merde là.
Mais tu vas venir à 2 ou à 3, tu vas faire quoi? T'inquiète. Ah, bah et alors? T'as pas honte de déclarer la guerre à 3 personnes? Tu vois, tu vas le regretter. Mais tu attends, vas le regretter. Attends, tu dis déclarer la guerre à 3 personnes. Ouais. Tu es sérieux? Bah quoi? Donc oui, c'est toi, c'est nous, on t'a tendu le bras, on t'a donné des missions. On t'a même dit, qu'est-ce qu'il t'avait non, dit non, non, que non. Si tu remplis les missions, il t'a donné des 20 000, 30 000 dollars. Attends, ferme là, je te rappelle. Puto. Voilà. L'hermano, c'est un sketch. Pour qui? Pas ça. Je comprends plus rien. Moi non plus, parce qu'il t'a expliqué. Il m'a dit, il m'a demandé une faveur de le laisser se préparer, qu'il prend des gilets, des armes. On dirait qu'il va attaquer un labo ou un truc comme ça là.